together, please put your hands together for Gordon Tom Balls. C'est quelqu'un que je connais depuis plus d'une quinzaine d'années et on s'est toujours dit un jour on allait collaborer ensemble. Le premier nom qui est venu en tête quand on a pensé à des animations, bah c'était simple, c'était Contre-Tendance. Qui dit Contre-Tendance dit Angel et Aurel. C'est vraiment un combo génial. C'était super de travailler avec les danseurs, créer les chorégraphies, les répétitions, bosser avec Aurel. C'est un peu comme une petite famille qui s'est créée pour la Base Cup. Et c'est chouette, c'est une expérience riche, humaine et sportive. Exceptionnel à vivre ensemble. Alors je suis quand même un peu excitée, en même temps un peu stressée parce que c'est quand même une grande salle déjà, donc l'énergie doit être vraiment 10 fois plus forte. Et puis je suis quand même contente parce que je suis avec ma team et tout, il y a quand même des gens et donc c'est chouette, moi je suis contente. C'est stressant parce qu'on va ouvrir, le match et il faut donner l'énergie et tout, il y a beaucoup de gens donc il faut vraiment tuer. Pour les sélections, en fait, on a vu qu'il y avait différentes dates, mais malheureusement, on n'était pas disponible, on avait un show le même jour. Alors, ce que j'ai fait, on a envoyé un email avec les différentes vidéos du groupe. Angèle voulait nous rencontrer pour voir un peu ce qu'on faisait, ce qu'on proposait, notre philosophie, et ça a accroché. Donc, on est là aujourd'hui, on a fait le spectacle. Une fois qu'on est arrivé sur scène, le public était là, ça fait beaucoup de personnes. Je pense pas qu'on a eu droit à autant de personnes comme public. 4, 3, 2, 1. Moi, c'était mon premier casting que j'ai passé avec la compagnie Contre-Tendance. Et donc je suis dans le projet maintenant, c'est mon premier projet professionnel. Et pour l'instant, je kiffe, tout se passe plus ou moins bien, il y a quelques imprévus, mais sinon, il y a une chouette ambiance. Voilà. Non, j'aime bien travailler avec Angel, toujours bien aimé son état, sa manière de penser, la manière dont elle voit les choses, la manière dont elle gère les choses, parce qu'il n'y en a pas des masses qui prennent la peine de montrer la danse et l'art comme elle le fait. Un peu stressé, mais bon, on va tout taper. Juste avant le show, je suis hyper stressée, mais j'ai trop hâte parce qu'avec le groupe, on s'entend hyper bien. Et je sais que ça va bien se passer, qu'on va bien profiter du moment, qu'on va se donner à fond. Moi, c'est la première fois que je vais danser dans un si grand espace parce qu'un terrain de basket, c'est pas petit. Quoi. Donc moi, ça, c'est quand je vais sur le terrain, je vais stresser un peu. Je vais stresser, mais pour l'instant, je suis au prêt. Quoi. C'est intéressant d'aller à la découverte des artistes, des danseurs, un à un. C'est vraiment chouette. Moi, j'adore ça. Franchement, pour rien au monde, je changerais de métier. C'est pas tous les jours facile, mais franchement, je kiffe trop ça. Au niveau des animations, je peux dire que c'était très pro, c'était très carré, ils ont fait ça bien, ils ont mis de l'ambiance. Ils
ont assurés. J'ai eu beaucoup, beaucoup de bons échos pour Contre-Tendance. Donc de ce côté-là, je crois que le boulot a été fait. Bravo. Je suis très contente d'avoir eu cette expérience parce que franchement c'était un super moment avec plein de personnes avec qui parfois j'ai l'habitude de danser et d'autres pas, et c'était vraiment une ambiance de malade. Angel, si tu vois cette vidéo, sache que voilà, je te dis déjà merci ici. Je sais que je redirai plus tard, mais je te dis merci parce que c'était vraiment une chouette expérience. On est un bon groupe, on s'amuse tellement bien. Sinon, chouette expérience, je demande que ça à refaire.